Salut Sam, ça se passe bien? Oui, ça va. C'est vraiment des grosses journées là, Juliaca. Déjà s'installer, transporter tout un laboratoire, faire connaître aussi l'étude parce qu'on est un petit peu décentré dans la ville. On a besoin de faire connaître notre présence, d'expliquer ce que c'est qu'un protocole de recherche et puis pour avoir peu à peu des enfants volontaires. Mais au fur et à mesure de la semaine, on en a eu de plus en plus, vraiment beaucoup. Et là, on a dépassé les 500 inclusions, c'est-à-dire que les 500 enfants qui ont participé au Pérou à nos travaux. Et puis bientôt, il va falloir se préparer pour la prochaine étape à la Rinconada. Alors Manon, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe très bien. Les journées sont assez denses quand même, hein. On a près de 25 enfants évalués chaque jour. Moi, j'ai pour mission d'avoir un rôle d'évaluation globale de l'enfant, notamment un rôle de dépistage des retards de croissance et ou des retards de neurodéveloppement. Donc, on a mis en place différentes méthodes de dépistage pour les petits et puis pour les plus grands entre 8 et 12 ans. Aurélien, ça se passe bien? Oui, tout va bien. Ici, on est au pôle vasculaire. On continue à inclure beaucoup d'enfants ici à la Rouliaca. C'est vraiment le boom de recrutement. On essaye de gérer aussi toutes les problématiques logistiques parce qu'il faut qu'on prépare l'ensemble de l'expérimentation et du déplacement du laboratoire à la Rinconada dans les jours qui viennent. Et puis, on essaye, on va dire, d'agréger l'ensemble des données de façon à pouvoir les mettre en perspective pour les résultats et les publications futures. Clairement motivé et puis on l'espère prêt pour finir cette partie d'expédition 5300 encore pendant une semaine à la Rinconada et auprès des enfants de la ville la plus haute du monde.